l'ancien soudeur de Faïda n'aurait pas non plus imaginé tant d'honneur. La France lui en a fait un cette année lors de la fête de la musique. La ministre de la Culture en personne l'a décoré de l'ordre des Arts et Lettres. Cher Seb Mamie, votre musique embrasse aussi bien le passé que l'avenir, l'innocence préservée autant que la modernité l'a mieux maîtrisée, et votre langage allie l'ode à la dignité de chacun, à l'existence de la liberté pour tous.